Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine pour un nouveau vlog. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous retrouver en cuisine pour faire quelques petites préparations. Et donc, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour la journée. Donc on va commencer par réaliser un petit tiramisu aux fraises. Le fait d'avoir quelques fraises dans le jardin, ça m'a donné envie de préparer un dessert à base de fraises. Alors évidemment, j'ai pas du tout assez de fraises pour pouvoir faire un dessert, donc j'ai dû en acheter quelques-unes supplémentaires. Mais voilà, le fait de me dire qu'il y a quand même quelques fraises maison à l'intérieur, ça me réjouit beaucoup. Donc on va commencer tout de suite avec la recette du tiramisu et puis c'est parti. Donc pour commencer, j'ai séparé mes blancs des jaunes. J'ai ensuite blanchi les jaunes avec le sucre. J'ai ajouté la mascarpone et la poudre de vanille et j'ai bien mélangé jusqu'à l'obtention d'une belle crème. J'ai ensuite monté mes blancs en neige et je les ai incorporés délicatement à la préparation. J'ai placé le tout dans une poche à douille et j'ai réservé ça au frais. Pendant ce temps, j'ai coupé mes fraises en petits morceaux. Et j'ai ensuite trempé mes biscuits cuillères dans du chocolat chaud. Je les ai placés au fond de mes verrines. J'ai ajouté une couche de fraises et une couche de mascarpone. J'ai saupoudré le tout de cacao et c'est terminé. Et voilà, on a terminé nos petits tiramisu aux fraises. J'ai hâte de les goûter, mais je vais d'abord les laisser prendre un petit peu au frais. Et ce sera pour le goûter tout à l'heure. Et maintenant, j'avais envie de profiter d'avoir un petit peu de temps pour faire quelques produits zéro déchet. Ça fait un petit moment que j'essaye petit à petit de réduire les déchets chez moi. J'essaye de faire une chose à la fois. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. J'essaye vraiment de faire une chose à la fois pour ne pas me sentir trop surmenée par tous les changements en même temps. Donc dès que je termine un produit, j'essaye de le remplacer par une alternative zéro déchet ou en tout cas faite maison, plus naturelle. Et aussi j'avais également envie de tester les bee wraps et je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative au cellophane ou à l'aluminium. Je m'inspire d'une recette dans un de mes livres pour le produit pour le sol, donc je l'ai jamais testé et je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, j'ai envie de tester plusieurs recettes pour voir ce qui fonctionne et ce qui me plaît. Mais du coup je vais m'y mettre, c'est parti. Voilà les livres qui m'ont aidé à réaliser ces deux recettes. J'ai commencé par réaliser le produit pour le sol en mélangeant du savon noir, des cristaux de soude et de l'eau. Alors lorsque j'ai fait la recette, je n'ai pas réfléchi sur le coup et j'ai doublé les quantités, donc j'ai un peu trop de produit, mais c'est pas grave, ça servira quand même. Pour les bee wraps, j'ai d'abord coupé mes chutes de tissu avec des ciseaux crantés pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Je les ai ensuite placés sur une plaque de cuisson. Je les ai recouverts partiellement de cire d'abeille. J'ai placé le tout quelques minutes au four à 100 degrés. Et après quelques minutes de refroidissement, c'est déjà terminé.
Bon voilà, du coup j'ai terminé mes B-Wraps, c'est mon produit pour le sol, donc je suis plutôt contente. J'avais toujours eu envie de me faire des petits B-Wraps, mais j'avais jamais pris le temps de le faire. Là j'ai pris le temps et j'ai trouvé ça super chouette. Même si je vous ai passé quelques étapes, j'ai pu aller fouiller mes petites chutes de tissu, tout couper pour avoir des petits carrés un peu sympas. Peut-être que je vais en recouper un parce que je les ai fait vraiment très très grands parce que j'étais pas sûre de la taille dont j'aurais besoin. Donc peut-être que je vais en recouper maintenant qu'ils sont terminés, mais dans tous les cas ça pose pas de problème. Donc maintenant je pense que je vais essayer de faire mon levain. Comme je vous disais dans un de mes derniers vlogs, j'essaye de faire mon pain maison depuis quelques temps. Ici j'ai envie de pouvoir le faire complètement moi-même, donc en faisant mon levain. Je me suis un peu renseignée hier, j'ai regardé dans mes bouquins, j'ai regardé un petit peu sur internet. Je me suis dit que j'allais essayer de faire ça, donc là on va simplement mélanger de la farine et de l'eau ensemble et je verrai dans les jours qui arrivent que ça donne. Et après ça, je pense que j'en aurai fini pour aujourd'hui. Le soleil est enfin un petit peu de retour, donc je pense que je vais aller profiter un petit peu de l'extérieur pour me poser un petit peu et faire le montage de cette vidéo. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Alors aujourd'hui, c'était un vlog un peu plus productif où on a fait plein de petites choses et je suis vraiment contente de les avoir faites et d'avoir pu les faire avec vous et puis de partager aussi un petit peu toutes ces passions que j'ai. C'est toujours bien de pouvoir partager échanger avec vous et puis je pense que peut-être que ça peut aussi vous inspirer puis vous donner l'envie de faire les choses si jamais ça fait un moment que vous voulez essayer de le faire et que vous aviez jamais pris le temps de faire vos produits pour nettoyer ou pour autre chose, même les cosmétiques, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Du coup moi je vais aller préparer mon levain et je vous dis déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais une tonne de bisous. Pour le levain, j'ai mélangé 25 g de farine avec 25 g d'eau dans un bol. J'ai ensuite placé le tout dans un bocal que je n'ai pas fermé et je dois maintenant attendre 24 heures pour la prochaine étape. Avant de prendre ma pause bien méritée, je me suis occupée de mon ours et j'avais envie de vous partager ça parce que je le trouvais beaucoup trop beau. Et j'ai finalement pu me régaler avec mon tiramisu.